Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Movistar Planet. Alors désolé, je ne parlerai pas très fort dans cette vidéo puisqu'il est assez tard chez moi malgré le fait que ce soit le week-end. Tout le monde y dort, il n'y a personne qui fait la fête. Du coup, on va y aller doucement. Et pour vous remercier de regarder mes vidéos, je vais vous faire gagner à chaque vidéo maintenant des drips et des pixels. Et pour cela, il suffit juste d'être abonné à la chaîne, de mettre un petit like et de lâcher votre commentaire le plus original suivi de votre pseudo et le gagnant ou la gagnante de la vidéo précédente. Et... Bon, eh bien, on va commencer par les cadeaux. Et bon, aucun suspense, hein. Cadeau de couleur jaune aujourd'hui, puisque le jaune est la couleur du citron. Le citron, il est jaune. L'intérieur du citron, il est jaune, mais il y a des fibres blanches, mais le jaune est plus présent que le blanc. Du coup, le citron est jaune et il n'est pas blanc. Et c'est parti, on va ouvrir les cadeaux jaunes. Alors, et c'est parti. Bon. Comme d'habitude, on va casser le look que Camille m'a fait si gentiment. Très beau look. Moi, j'adore. On va voir si elle va m'envoyer un message pour me dire « Ton look, il est dégueu !» Ou au contraire, s'il est bien. En tout cas, merci encore une fois à tout le monde pour les cadeaux. Il va falloir que je fasse un énorme tri au niveau des cadeaux. Donc je rappelle que c'est les cadeaux jaunes et non pas le ruban. Donc si le ruban est jaune, ça ne compte pas malheureusement pour moi, qui voudrais ouvrir plein de cadeaux aujourd'hui. Je suis motivée à ouvrir plein de cadeaux. Mais les cadeaux jaunes, je pense qu'il y aura pas mal de coupes de cheveux. Puisque les coupes de cheveux, enfin, blondes, le blond c'est du jaune. Ouais. Et ouais, 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 ouais. Très l'intelligence. On va dire que c'est un jaune doré celui-ci. Petite chaussure. Mais ouais, non, en gros, cadeau jaune, je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui, petit cadeau jaune comme d'habitude, hein, comme je vous le dis souvent. En commentaire, quel cadeau vous aimeriez que j'ouvre la prochaine fois? J'aimerais bien partir sur un truc un peu plus original. En ce moment, j'ouvrais... Oh, très joli. Oh, j'adore. Vraiment très très beau. Très très beau. Oh, oh, j'ai envie d'ouvrir ces autres cadeaux parce que... C'est tellement insatisfaisant, en fait, quand une personne t'a envoyé plusieurs cadeaux, donc en l'occurrence là c'est MSP World, et que c'est certainement un look complet, mais que tu ne peux pas l'ouvrir parce que le challenge de la vidéo étant d'ouvrir les cadeaux d'une certaine couleur. Oh mon dieu, c'est tellement insatisfaisant. Et ça, ça me triggers. Bon, on va essayer de... Là peut-être aussi qu'il y a un look complet. Bon, bah, qu'est-ce que je disais, une coupe de cheveux. Bon, c'est la première... Non, non, la deuxième, pardon, excusez-moi. Les petites lunettes, et on est sur un petit look sympathique. Je pense, bon, il y a peut-être les chaussures, ça va pas avec le reste, parce que en haut ça fait genre trop la meuf, et en bas ça fait genre trop on va faire de l'escalade. Mais là franchement, si on finit par une paire de chaussures, bon là c'est du jaune ou du beige, mais est-ce que le beige c'est du jaune? Dites-moi en commentaire, est-ce que le beige c'est considéré comme du jaune? Parce que le beige techniquement c'est du blanc, qui est un petit peu vieilli par le temps, qui vient du beige. Mais du coup, qui jaunit en fait. Bon, on va l'ouvrir parce que j'ai pas envie de me faire engueuler. Et du coup, la couleur nude, c'est du jaune. Oh, trop sympa la coupe. Ah ouais, j'adore. Mmh. On est sur un... Wow, magnifique. J'adore. Alors, ici, on a un cadeau de Poupsie. Oh non. la coupe. Après, je me demande si je devrais pas dans les prochains, ou même peut-être maintenant, faire un truc du genre, quand j'ouvre les cadeaux, je mets les cadeaux quand ça va bien, pour faire un look et du coup de pouvoir garder le look pour la fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on va faire ça. On va mettre sur soi, voilà, des choses qui font que le look est correct. Donc à la fin, il sera plus ou moins correct. On verra ça. En tout cas, merci beaucoup encore une fois pour les cadeaux. J'aime beaucoup cette coupe, mais... C'est ça le pire, c'est que j'aime beaucoup cette coupe. Mais le fait est qu'on la reçoit dans les premiers cadeaux de niveau, fait que cette coupe... et pas prestigieuse, et pourtant moi je la trouve très jolie. Du coup on va garder plutôt celle-ci qui est un peu plus originale, je pense, un peu plus, enfin, on va dire un peu moins accessible, je pense, c'est ça le bon mot. Comme d'habitude, timelapse dans les commentaires si j'ai loupé un cadeau jaune sur le chemin. Donc
Là, ça va être difficile de détrôner, je pense, le haut plus le bas que je porte actuellement. Puisque faudrait, voilà, vu que c'est un ensemble, et je suis particulièrement contente d'avoir reçu cet ensemble très joli, même si on n'a pas le reste. Ça, c'est, oh, c'est beau, mais on va rester sur ce qu'on est. Ça, c'est ça le problème, c'est le dilemme. Peut-être que juste après, je vais tomber sur un pantalon qui aurait super bien matché avec ce haut-là, mais est-ce qu'on prend le risque? Non, clairement pas, je suis une froussarde. Je suis une dégonflée. Mais ouais, non, le principe de voilà d'essayer de faire un look avec les cadeaux, ça peut être sympa. Ça, c'est sympa, mais pareil, hein, la coupe, elle est jolie, mais celle-ci, elle est un peu moins accessible. Du coup, on va garder plutôt celle-ci que je porte déjà actuellement. On va faire comme ça. Petit bandana. Est-ce que ça... En fait, ça irait pas forcément avec le look, mais j'ai envie de le mettre, donc je le mets. Tu vas faire quoi maintenant? Ça, pareil, c'est quelle couleur, ça? Parce que ça, c'est pareil, on dit, c'est du jaune vieilli, on est d'accord. Parce que c'est pas du marron, le beige, c'est du jaune. Oh là là, on va l'ouvrir dans le doute, mais... Oh, on va le mettre. Il est trop chou. Mais en fait, le cadeau, il est... Ah ouais, mais c'est à cause de son petit pelage ici. Parce que sinon, il est violet. Il fallait dire, mais pourquoi le cadeau, il est pas violet? Non, franchement, là, depuis tout à l'heure, le seul souci... Bon, ça c'est du marron, ça, c'est du rose, plutôt. C'est qu'on n'est pas encore tombé sur des chaussures... Ils sont bien. Bon, là, on va dire que c'est un petit peu jauni comme ça. Ça, c'est sympa aussi. J'aime bien. Non, allez, on va rester sur cette coupe. J'espère que le look va être cool à la fin. Franchement, si on tombe sur des chaussures, on est déjà... Oh, trop belle la coupe. On va la mettre. Ça, c'est plus du rose. Non, on va dire que c'est un peu rosé, un peu saumon, je dirais. Et saumon, c'est rose. Ok. Non, mais en vrai, on tombe sur des chaussures et on sera bien. Donc là, j'ai déjà un collier, on va rester sur l'ancien collier. Ça me paraît bien jaune quand même. Bien jaune poussin, bien le jaune pipi radioactif. Ouais, on va éviter. On est retombé sur les mêmes lunettes, mais celles-ci, elles sont blanches au niveau des verres et celles-ci sont noires au niveau des verres. On va garder les blanches, mais elles sont sympas quand même ces lunettes. Elles sont sympathiques. Alors, franchement, je prie quand même pour qu'on ait des chaussures. Pour bien finir... Ouais, ça, waouh, ça... Ouf, franchement, le look là, ouais, Madison, elle a mis du flow à ce look. Il y a des ondes positives qui sortent de ce look. Des ondes positives. Oh, ça, c'est... j'ai envie de le mettre, mais j'ai peur que ça enlève les barrettes. Encore, à la limite, le pipiou, s'il se barre, c'est pas grave. Mais j'ai peur de... Oh, dilemme, est-ce que je le mets? Alors, allez, on prend des... Oui! Yes! Bon, c'est un peu bizarre, mais je valide quand même. Hein. Je valide quand même. Non, mais au moins, c'est cool. Au moins, je peux garder le look sans qu'après, je me dise... Tu t'as fait pirater? T'as fait une vidéo cadeau? Ah ouais, parce que là, du coup, vous allez plus savoir si j'ai fait une vidéo cadeau ou pas. Parce que le look, il sera légitime. Enfin, ça dépend des vidéos. Mais là, pour le moment, le look est assez légitime. Il y a juste les chaussures qui sont un petit peu chelou. Mais, du coup, étant donné qu'on a un look, entre guillemets, légitime... Parce qu'avant, dès que je commençais à avoir un look un peu chelou comme ça, soit les gens, ils me demandaient si je me faisais pirater. Ah bah parfait, les chaussures. Ah bah parfait. Parfait. Mais comme disait, en vrai, des gens me demandaient à chaque fois, soit m'envoyaient des messages, soit sur les réseaux ou quoi, en me demandant, ouais, tu t'es piraté, en m'envoyant un screen de ma movie habillée genre trop n'importe comment. Soit on me disait, ah, t'es en train de faire une vidéo cadeau, toi. Tu fais une vidéo ouverture de cadeau. Et moi, je suis, non, qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi tu dis ça? C'est pas vrai? Non, je ne pense pas. Alors qu'en fait, j'étais grillée quand même à 3000 km, quoi. Enfin, grillée de ouf, quoi. C'est un truc de malade. Et là, en vrai, je continue un petit peu les cadeaux en me disant peut-être que je tomberai sur un petit truc qui m'hyperait encore plus. Bon, ça, c'est un petit peu rosé, mais bon. Qui hyperait encore plus la tenue. Mais en vrai, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'on puisse... Oh, franchement, c'est beau, ça. C'est beau, mais là, elle a un complet. Elle a une tenue complète. Elle a le haut plus le bas. Mais c'est très joli. Hein. Merci beaucoup à Miss Prinkle. On va faire à l'anglish Miss Prinkle. Désolée, j'aurais vraiment voulu porter, mais... C'est un petit peu embêtant. C'est mauvais timing, là. C'est mauvais timing.
Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que vraiment là, ça va me dégoûter de tomber sur des jolies choses que... Voilà, pareil, ça c'est très beau aussi, mais bon, on va garder celui-ci. Parce que là, franchement, le look, il est vraiment bien. Il est vraiment, vraiment pas mal. Et je vois rien d'autre qui pourrait agrémenter le look, là. Déjà, franchement, au niveau accessoires, c'est complet, quoi. Sa tête, elle est remplie d'accessoires. Peut-être à la limite un bracelet pour remplacer le bracelet argenté pour un bracelet doré, parce que c'est vrai que à Skip, dans les lois des règles de l'art, du fashion, bah à Skip dans le fashion, faut pas mélanger l'argenté et le doré, chose qui actuellement est un peu mélangée. Pourtant j'ai envie de te dire que la barrette elle est dorée avec des diams, et les diams ils sont argentés. Non, quoique ils sont blancs, je dis de la merde, m'écoutez pas, je dis de la merde. Mais bon, en vrai dans le fashion, t'as pas le droit de mélanger tout ce qui est argenté et doré. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. What? Attendez, non mais... Est-ce que vous voyez ce que moi je vois? Ou est-ce que... Vous voyez pas ce que moi je vois? Est-ce que vous avez remarqué? Voilà, regardez, je vous montre avec la souris. La meuf, elle a pas de tête. On va ouvrir son cadeau, on va finir par son cadeau et puis on va finir par aller voir son profil. Oh, le poker face. Alexis, 23. Mais si elle a une tête. Attends, on va lui demander d'être amie, un petit toto. Mais si elle a une tête. Elle a une tête. Mais en vrai, c'est trop bizarre. Bon, j'espère qu'Alexis tombera sur cette vidéo pour se rendre compte qu'il y a un petit souci là quand même, Alexis. Hein. Il y a un petit souci dans la Matrix. Bon, bah écoutez, on va finir quand même sur ce look là. Alors dites-moi qu'est-ce que vous en pensez du look final. Moi, franchement, j'adore. Je pourrais même le laisser. On va dire qu'il y a juste deux choses qui dérangent dans ce look. C'est les pansements au niveau des jambes. Même moi, je trouve pas ça si dérangeant que ça. Mais vu qu'elle a un look assez genre qui fait trop la meuf. Du coup, en genre, les meufs qui font trop les meufs, elles mettent pas de pansement au genou. Et le deuxième truc, comme je vous ai dit, par les lois du fashion, le mélange de doré-argenté, quoi. Donc en gros, il y a juste ce qu'elle a sur le bras que j'avais déjà avant de commencer la vidéo. Du coup, c'est resté et ça n'a pas été remplacé. Mais à part ça, franchement, tout le reste du look, c'est parfait. Il y a tout qui va avec tout. Bon, après, les gens ils vont me dire, ouais, mais c'est quoi un certain... Bah écoutez, je mets un petit peu de fantaisie dans ma vie, ok? Bon, j'arrête les conneries, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Gros bisous à vous, et ciao ciao! You said you and I were meant to be.